La cérémonie qui nous réunit ce soir, jeudi 1er août 2019, ici, c'est rien d'autre que la présentation du nouveau coach de BKFC et la signature du contrat, enfin la remise des documents. C'est une nouvelle page qui s'ouvre sur le football dans la commune de Bembéréké. BKFC a un nouvel entraîneur. Kegbalo Kodjo Koudjosan est un Togolais âgé de 54 ans, détenteur d'une licence B de la CAF. Le président de BKFC situe le contexte du choix du nouvel entraîneur. Le coach partant, c'est Abdou Malik Hamidou, était coach de BKFC depuis 2013. Et voilà que cette année, il part. Et comme nous l'avons dit dans notre communiqué, il part avec regret. Nous ne lui reprochons pas une faiblesse technique, nous ne lui reprochons pas quelque chose, mais le bureau a décidé quand même de faire une autre expérience. Si nous avons décidé de revoir autrement, c'est parce qu'on veut le titre. On veut le titre, c'est l'objectif principal pour lequel nous avons cherché. Parce que, en dépit de tout ce que nous faisons, quel que soit le championnat passé ou le championnat passé, nous sommes toujours à la limite pour être champion et nous ne l'atteignons pas. Le bureau directeur a donc misé gros en s'offrant les services du coach Kegbalo. L'ex-capitaine des Éperviers a déjà réussi à décrocher le titre de champion du Togo alors qu'il était coach de Dito FC de Lomé en 2013. Une expérience qui l'a propulsé au poste de sélectionneur des moins de 17 ans du Togo la même année. En tant qu'entraîneur des guerriers, Kegbalo envisage tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Donc on va travailler ensemble, c'est ma nature de travailler et on ne va rien changer parce que l'entraîneur qui est parti, c'est un petit frère à moi. Et on va faire seulement une continuité, essayer de travailler ensemble le squelette qui était déjà là, on va le renforcer pour voir ce que ça va donner. L'objectif étant vraiment de taille, je vais tout de suite vous prier de m'accompagner dans le travail qui m'attend parce que je l'ai dit tantôt pour ne pas me redire, il faudrait qu'on aille ensemble. Et avec la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu et l'aide de tout un chacun, on va amener BKFC au bout. Voilà, merci beaucoup. Après avoir signé le contrat qui le lie désormais au vice-champion du Bénin, le coach Kegbalo a reçu les documents officiels du club des mains du président de BKFC. Donc, coach, bonne chance à vous. Merci. Et vraiment, on va vous accompagner. On sera toujours derrière vous. Voilà. Le choix du nouveau coach acté, le club se tourne désormais vers les préparatifs de la prochaine saison. L'équipe reprend du service le samedi 10 août prochain.